Là, la fille du magasin me tend un maillot, mais trop immonde. T'aurais vu la couleur, mais c'était un vert genre... genre moche, tu vois. Un peu comme ton maillot, d'ailleurs. Attendez, les mecs. Raymond, ça va? Je t'entends plus. Ah, c'est rien, je réfléchissais. C'est quand même un drôle de truc, hein. Se lever super tôt le matin, se mettre en slip et puis sauter dans l'eau. Ma mère, elle dit que personne n'aime la piscine, mais que c'est obligé. Mais pourquoi c'est obligé si personne n'aime ça? Ça, ma mère, elle a pas dit. Ah non! Quoi? Je crois que j'ai oublié mon maillot. La vache! Eh bah c'est génial, tu vas échapper à la piscine. Tu crois? Bah, il va pas te faire nager en pantalon. Mais ouais, t'as raison! Tu ne t'es pas encore changé, dépêche-toi, tous les autres sont déjà prêts, tu sais. Monsieur, j'ai oublié mon maillot à la maison. Je suis désolé. Oh, quel dommage. Ah oui, c'est trop bête. J'aurais bien voulu venir nager avec mes camarades, mais bon, tant pis. Ah là là, je suis vraiment déçu. Ne t'inquiète pas, mon petit, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ah, c'est trop classe, le coup du maillot. Pourquoi j'y ai jamais pensé avant? Voilà. Une des personnes âgées de l'aquagym l'a oublié. Avec ça, tu vas pouvoir rejoindre tes camarades. Mais c'est un maillot de fille, non? Oui, oh, tu sais, nous sommes tous égaux devant les grandes lois du sport. Allez, petit, cours t'amuser avec tes copains. Oui, je vais faire ça. Ah, le bonheur des enfants. N'est-ce pas la plus belle des récompenses pour un professeur? Ouais, il a gagné 3 concours de vitesse régionaux. Et puis après, il est parti s'installer à l'étranger pour des compètes de plus haut niveau, quoi. Mais je savais pas que ton frère était champion. C'est un truc dans la famille, on peut pas s'en empêcher. Bon, vous allez tous vous mettre en file indienne et sauter dans l'eau. Ensuite, vous me ferez 2 longueurs de bassin. Ok, qui veut commencer? Je suis humilié. Mais non. Tu sais pas ce que c'est, Marcello. La loose, c'est comme les sables mouvants. Plus tu cherches à lui échapper, plus tu t'enfonces. C'est à moi maintenant. Il paraît que je nage très bien. C'est ce qu'on va voir. J'ai pas de mérite. Papa a fait construire une piscine à la maison. En plus, j'ai mis mon maillot spécial compétition. Ah, c'est la honte si je croise quelqu'un. Je vais pas tenir comme ça tout le cours, hein. Je crois que je vais me souvenir longtemps de cette journée. Allez, tu plies les genoux et tu sautes en avant. T'es meilleur. Bah, le truc, ce serait de faire diversion. Tu vois, là, tout le monde regarde Valérian. Si on s'approche tranquillement du bord, personne fera attention. Mais qu'est-ce qui dit qu'une fois dans l'eau, je serai vraiment à l'abri? T'es le meilleur. J'ai fait combien, monsieur? Félicitations, 15 secondes 8, tu es avant-dernier. Tu progresses. Hein? Comment ça, avant-dernier? Mais c'est pas possible. C'est son chronomètre qui est en panne. Je vois que ça, hein. Ce qui serait génial, c'est qu'il se passe un truc tellement énorme que personne pense à te regarder. Un truc énorme? Quelle galère. 15 secondes 8? Mais c'est n'importe quoi! Quand je m'entraîne chez moi, je suis à 12 grand maximum. Ah ouais? Moi j'ai fait 8 secondes. Ah bon? Ah bah tu vois, c'est bien la preuve, il est pourri son chronomètre. Tu sais, ça pourrait être pire. Ouais, je vois pas trop comment. Ah, salut Louise, il fait pas chaud ce matin, hein. Mon maillot est affreux, et toi, ça va? Ton maillot? Mais il est très bien. Et moi j'ai d'autres trucs beaucoup plus graves. Qu'est-ce qui t'arrive? Peux te demander un petit service, entre amis? Ben oui. Tu peux me cacher? Te cacher? Mais pourquoi? C'est à cause de mes genoux. Ils sont tellement gros et moches, ben j'ai super honte. Si tu veux. Mais bon, ils sont très bien tes genoux. Ah, oh, les garçons! Toujours à faire mimus dans l'eau. Quelle bande de gamins! Attrapez ce ballon! Ah, oh, le ballon! Vite, Daphné, attrape-le! Hé, hey, heureusement que je suis pas comme vous, moi. J'ai personne pour me cacher. C'est bon, à 3, on saute. 1, 2... Mais franchement, Raymond, où est-ce que t'as trouvé une horreur pareille? Tu l'as piqué à la petite sœur de Marcello, quoi. Tu rigoles, ma sœur, elle met pas des trucs aussi pourris. Merci, Marcello. Pardon, non, mais je voulais dire... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est très bien, ton maillot. Bah oui, c'est le tien. C'est normal que tu l'aimes bien. Ouais, d'abord, ton slip, il est pas mieux. Attends, c'est le maillot de mon grand frère avec lequel il a déjà gagné 3 médailles. Il est taillé pour la compète. En attendant, il t'arrive aux genoux tellement qu'il est grand. Oh non, pas possible. Raymond s'est déguisé en patineuse. Et tu sais quoi? En plus, il ose se moquer de mon super maillot. Bon, les gars, c'est super. On a bien rigolé. Maintenant, on se jette à... Eh, venez voir le slip de Raymond. Vite, faut plonger avant que tout le monde rapplique, là. Vous faites quoi, les enfants? Toujours pas dans l'eau? Si, on allait faire un concours de plongeon. Excellente initiative! Venez avec moi sur le plongeoir! Le plongeoir? Moi d'abord, je sais faire les plongeons olympiques. Parfait! Pas trop déçu, Raymond? Ah non, je m'en remettrai. Hé, hey, Raymond, cache-toi derrière le prof, il y a largement la place. Hé, hey, Valérie, on va plonger! Ouais, vas-y!
Regardez-moi! Je vais vous montrer comment plongent les champions! Tu vois, Daphné, quand on sera devenus des stars plus tard avec Valérian, eh bien tu seras super fière de nous avoir connus. Vous savez, pour cette histoire de plongeoir... Ne sois pas jaloux, Raymond! Quand tu seras là-haut, on ne verra que toi! L'athlète se prépare. On peut lire la concentration sur son visage. Tout le monde l'aime. Ils sont venus rien que pour le voir. Il s'élance tout à coup d'un pas de gazelle, puis plonge vers la gloire. Tiens, ça c'est curieux. T'as vu Marcello? On dirait que son... Ah non, oublie ce que j'ai dit, Daphné, je le connais pas ce gars-là. Hé, hey, Valérian, t'es sûr de rien avoir oublié? Ben, pourquoi vous riez? Hé, hey Raymond, lave-la ta diversion. Merci, Valérian. Allez. Viens.